Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous orienter à l'aide d'une carte et d'une boussole. S'orienter avec une carte et une boussole, c'est simplement faire coïncider la carte avec le terrain pour que ce qui soit à votre gauche soit aussi à gauche sur la carte, et de même dans toutes les directions. C'est une méthode rapide et précise. La manipulation de la boussole est simple, nous allons la détailler étape par étape. Servez-vous d'une boussole à plaquettes. C'est le seul type de boussole qui vous permettra de vous orienter en randonnée. Pour vous orienter avec une carte et une boussole, souvenez-vous de ces trois étapes. Placez la boussole sur la carte, réglez la boussole et tournez l'ensemble. Premièrement, placez la boussole sur la carte. Placez votre carte sans forcément la déplier complètement. Comme à chaque fois que vous utilisez une boussole, vérifiez que la carte est bien à plat et que vous n'êtes pas à côté de masses métalliques ou de champs magnétiques, car cela perturberait le fonctionnement de la boussole. Placez la boussole le long d'une des lignes verticales, la flèche de direction pointant vers le haut de la carte. Deuxièmement, réglez la boussole. En tournant le cadran mobile, faites coïncider le nord du cadran avec la flèche de direction de la boussole vers le haut de la carte. Troisièmement, tournez l'ensemble. En tenant la boussole fermement le long de la ligne verticale de la carte, faites tourner l'ensemble jusqu'à ce que l'aiguille aimantée soit sur le nord du cadran et dans le même sens que la flèche de direction. Votre carte est maintenant orientée. Elle coïncide avec ce que vous pouvez voir autour de vous sur le terrain. Lorsque vous marchez sur un chemin ou une route, vous pouvez facilement confirmer votre position sur la carte. En résumé, pour vous orienter avec une carte à la boussole, placez la boussole sur la carte, réglez-la et tournez l'ensemble jusqu'à ce que l'aiguille aimantée soit sur le nord du cadran. À vous de jouer !